On va faire une nouvelle vidéo. Donc tout à l'heure, je vais voir Avatar 2. Je vais d'abord vous dire mes appréhensions. Puis après le film, je vous dirai ce que j'en ai pensé. Voilà. Donc je fais cette critique parce que bah, je vous l'ai promis. Oui, c'était censé être pour hier, je sais. J'ai peut-être du retard. Mais je vous l'ai promis hier matin aussi. Hein, c'est bon, en fait, pas chez... Hier midi même. Hein. Donc, hein. Tut-tut. Alors, faut savoir que j'ai pas vu les trailers. Hein. Les bandes annonces, c'est pas, je regarde jamais les bandes annonces, ça se peut trop. Maintenant, je les regarde plus. Juste, je regarde celui de Mario parce que les réactions, tout ça, mais je regarde plus, c'est non. Bah, en fait, maintenant qu'il y a plus les humains, j'ai juste peur que ça se transforme en un film random avec des êtres qui vivent parmi eux, mais c'est tout. Juste avant, c'était la guerre de la race des humains contre la race des Na'vi. Non, j'espère que ça se transforme juste un peuple random qui vit, quoi. Je sais pas, vous comprenez ce que je veux dire ou pas? Non, peut-être pas, je sais pas. J'ai juste un pays des Schtroumpfs sans Gargamel. Enfin bon. Du coup, maintenant, on va voir mon avis après le film. Donc, après le film. Ouais, j'ai eu la flemme de tourner cette scène avant le film. Donc, j'ai dit ce que je pensais avant, voilà. Donc bien, j'étais surpris. En fait, ils reviennent les humains. Bon, le scénario il tient sur 3 minutes, mais c'est cool, ouais. Alors d'abord, je vais vous faire la partie sans spoil, hein. Oui, j'essaie de baisser la tête pour pas être comme ça là. Oh là 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 là. J'ai le reflet dans les lunettes, c'est trop chiant. J'essaie de bien baisser la tête comme ça. Voilà. Voilà. On est bien comme ça. On est bien. Alors la partie sans spoil. Bah c'est un film contemplatif, hein, vraiment, c'est juste pour histoire de dire que c'est joli et tout. Je crois la 3D c'est pas fait pour moi. Hein, moi j'ai été le voir en 3D mais ça fait bizarre. Alors c'est peut-être parce que j'ai des lunettes, hein, je sais pas, mais je pense vraiment j'aurais plus apprécié le film si j'aurais vu en 2D normalement. La 3D en plus je l'ai pas du tout ressenti, sauf au début, où il y avait un arc qui sortait de la télé et tout, sinon après ça j'ai pas du tout vu la 3D. Elle avait disparu peut-être, je sais pas. Donc ouais, c'est un truc contemplatif, donc c'est faut y aller pour que ce soit joli, c'est tout. Le scénario il tient pas 3 minutes, hein, vraiment. Et ben on va faire la partie spoil maintenant, je suppose. Bah ouais, le scénario pourrait vraiment se résumer en 3 minutes. En fait, c'est Jean-Baptiste qui revient, faut pas me demander pour les noms aussi, je sais pas les noms, je les retiens pas. Je retiens pas les noms des gens qui sont dans ma classe en un an. Je retiendrai pas les noms d'un film que je reverrai plus jamais. Écoute, c'est bon. En gros, il y a Jean-Baptiste, il est revenu à la vie via un clone. Du coup, il va réattaquer le perso principal, le protagoniste, et son village. Du coup, ils sont obligés de partir de son village pour protéger son village. Ils vont dans un autre village pour que ce soit l'autre village qui soit attaqué et pas le leur. Et voilà. Et du coup, ils vont les attaquer et. Et voilà. Et il y a un humain aussi dedans, c'est qui a vécu là-bas chez les Na'vi. En fait, c'est le fils de Monsieur Truc. Enfin, du coup, il se fait capturer le petit. Et après, voilà. Enfin, il sauve quand même son père à la fin parce qu'il est con et qu'il faut bien un méchant pour la suite. Du coup, voilà. Mais sinon, c'est tout. Voilà, c'était le résumé du film. J'ai peut-être oublié des trucs, mais c'est en gros, c'était ça. Tiens, pas 3 minutes. Même ma mère, elle a dit qu'il était très pauvre le scénario. Je vous ai vu sur Twitter là. Il y en a plein qui disent ouais, c'est des haters sur Twitter, ceux qui disent Avatar, le scénario il pute. Non, il pue. Le scénario il est nul. Il y a rien dans le scénario, il est vide le film. Le film il peut se résumer. Le film c'est un épisode de One Piece. Y a rien. Il est vide le scénario. Bah oui. Voyons donc. Enfin, épisode de One Piece bien chargé quand même. Parce que One Piece, les épisodes, on les connaît. Voilà, c'était la fin. C'était comme ça, voilà. C'était ma critique. Donc, Avatar 2, bof, pas ouf. Et moi, personnellement, les trucs visuels comme ça, c'est pas mon délire. Ça m'impressionne pas trop. Voilà. J'étais plus impressionné devant le mec du son, devant Demon Slayer contre l'autre démon super dégueulasse, là. Dégueulasse sur le dégueulasse. Et ouais, voilà. Bah, Avatar 2, bof, pas ouf. Faudra que j'aille voir le chapeauté 2 aussi, il a l'air bien, mais lui je sais pas. C'était la critique ciné du critiqueur ciné Loxiv. Salut les gens. Ciao ciao. Ah oui, pour en sortant on est allé à Leclerc, j'ai acheté Splatoon 3 et ça. Je pense que ça on fera des lives un peu tous les jours. Vers 18h, des petits lives de 20 minutes.
pour parce que faut que je fasse du sport. Voilà. Salut.